Donc plus aucune école qui appartient à une famille. C'est tout des fonds d'investissement, des banquiers, des choses comme ça, ou des grands groupes qui veulent faire de l'argent. C'est ça. Donc ça veut dire que pour nous et pour la famille, il était indispensable d'améliorer cet outil de travail. Et ça faisait, le dernier bâtiment a été construit, sauf erreur, autour des 1926-1930, quelque chose comme ça. Et la famille n'avait rien construit depuis. Il s'agit d'un projet d'une salle multifonctionnelle que nous avons construite pour l'école Briand-Mont et qui en fait comprend un programme sportif, tout comme un programme culturel et un programme d'enseignement. Donc il s'agit d'un volume relativement énorme, de 8000 m3, pour une salle de sport, des salles de cours et une scène destinée au spectacle, ainsi qu'un balcon pour l'observation, l'assistance aux différents matchs sportifs de l'école. Ladies and gentlemen, dear guests, good evening. It is a great pleasure to see so many people. We are honored by your presence this evening. Welcome to this event which celebrates the inauguration of our new building, the François Frey Huguenin. Quand les gens partaient de Briand-Mont, tout le monde l'aimait, même ceux qu'elle renvoyait. Parce qu'elle avait un charisme extraordinaire, parce qu'elle savait. Elle savait ce que c'était des enfants et puis elle leur apportait le bien-être, le réconfort d'une maman, à plus tard d'une grand-maman. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas, que vous êtes obligé de mentionner, que vous êtes obligé de... C'est quelqu'un que tout le monde aimait, voilà. Nous inaugurons ce soir ce nouveau bâtiment, la salle Françoise Frey-Huguenin, sport et culture. Et célébrons par la même occasion le 130e anniversaire. 130 ans, c'est une longue histoire, et cela n'a certainement pas été un long fleuve tranquille, de développer cette école et de la conserver dans les mains d'une même famille, aujourd'hui la cinquième génération. Briand-Mont est une des dernières écoles de la région, de Suisse même, qui est encore aux mains de la même famille et dans ses propres murs. Alors qu'il est devenu courant, autour de nous, de céder son établissement à des fonds d'investissement étrangers qui en font des outils de rendement. C'est vraiment important que nos élèves se sentent, je dirais, quand même à la maison. Pourquoi ? Parce que Briand-Mont, si on devait caractériser Briand-Mont, pour nos étudiants, c'est la famille. Tout le monde connaît tout le monde, je connais tous les étudiants par leur prénom, je les vois tout le temps, et c'est très facile, et mon staff aussi connaît tous les élèves par leur prénom. Les élèves que nous avons vus, qui nous ont accompagnés, qui nous ont présentés, ces murs pleins de souvenirs et ces murs d'aujourd'hui extrêmement impressionnants avaient dans les yeux une lumière qui dit leur plaisir d'être ici.